Et justement, nous vous parlions dans notre précédente édition du Tour de France des alternatives écologiques et solidaires, dont l'arrivée à Marseille avait été interdite par le maire de la deuxième ville de France, Jean-Claude Gaudin. Heureusement, les organisateurs d'Alternatiba avaient refusé de se plier à l'injonction de l'édile. Après le Tour, arrivé sans encombre mercredi dernier, c'est tout un village des alternatives qui put se tenir sans souci sous le soleil radieux de la capitale provençale. La mairie de Marseille n'en voulait pas, mais l'édition Aioli d'Alternatiba a bien eu lieu. Le collectif a investi le cours Julien samedi pour le transformer en village des alternatives solidaires. Quelques structures se sont retirées de l'organisation lorsque les autorités ont dit non. La plupart ont tout de même pris la responsabilité d'être présentes. C'est un acte de désobéissance civile en ce sens qu'on n'a pas accepté l'interdiction d'Alternatiba, qu'on l'a fait quand même. Mais pour moi, c'était notre devoir moral. Aujourd'hui, alors que les décideurs politiques et économiques ne mettent pas en place les politiques, les mesures qui permettraient d'éviter qu'on fonce vers le chaos climatique, c'est un devoir moral pour les habitants, les citoyens, de se mettre debout et de dire stop, ça suffit. La mobilité, la finance, l'agriculture, les médias, c'est un changement sociétal global que propose Alternatiba. Le quartier des énergies est l'un des plus étoffés. Tripalium, c'est un réseau d'acteurs national pour le petit éolien autoconstruit. Globalement, on est sur de la réappropriation citoyenne de l'énergie, on est sur maîtriser ses besoins et surtout être capable de maîtriser aussi l'outil qui permet de produire l'électricité dont on a besoin. Donc le format, la plupart du temps, c'est des stages d'autoconstruction. À Marseille, certains recyclent les huiles usagées en combustible de chauffage. Pour l'utiliser, il suffit de modifier le brûloir des chaufferies à fioul. L'huile, c'est un déchet gras que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, qu'on peut récupérer, qu'on peut surtout valoriser, mais à 100% presque. On essaye de développer ça avec plein d'autres petites structures au niveau local, parce qu'il y a des grosses entreprises qui font leur beurre là-dessus pour le mettre dans le biodiesel. Nous, on estime que faire rouler des voitures toujours plus, c'est peut-être pas la solution. La gestion des transports est très mauvaise. La dynamique citoyenne est à l'origine du concept Alternatiba. Du coup, on y pratique la démocratie directe. Les Marseillais ont pu échanger en public leurs idées pour transformer la ville. On a commencé par leur demander justement de partager un constat de la situation. Et à partir de là, c'est plus simple pour commencer justement à ce qu'ils s'expriment. Parce que la plus grosse difficulté dans ces agoras-là, c'est justement le fait qu'il y ait un peu de méthode pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc on a déjà partagé ça. Et puis à partir des constats, on a tiré le fil vers des solutions. L'enjeu, c'est qu'au bout d'une heure et quart, les gens se sentent impliqués et puis surtout qu'ils puissent s'inspirer aussi de choses, découvrir des gens, et l'enjeu de ces agoras, c'était qu'à la fin ils avaient envie d'agir. Les pouvoirs publics ont visiblement toléré le déroulement d'Alternatiba qui s'est achevé par une série de concerts. Le collectif annonce pour cette étape une fréquentation de 3500 visiteurs.